Chers tous, le bonjour Cash. Me voici à la sortie de l'entretien avec le directeur général de la CETRA, M. Christian Mani. Son bureau est par là. Nous avons eu pratiquement 2 heures d'entretien au sujet des problématiques posées dans mes vidéos Cash. C'est long à expliquer. L'exploitation du chemin de fer, les différents partenaires, le fonctionnement, les difficultés. J'ai posé des questions sur la fameuse concession. Le concédant, c'est l'État gabonais, jusqu'en 2040 par là, et les perspectives. Évidemment, le directeur général a donné toutes les explications, comment il gère au quotidien la CETRAG, avec une visite à certains services très importants. Nous allons donc suivre, car le directeur général m'a dit que la critique fait avancer. Entre ce que le directeur général a dit en disant que la critique fait avancer les choses et ce qu'il va faire sur le terrain, nous allons donc observer et suivre si exactement il y aura correction du déficit de communication, par exemple, et de ce que nous avons dénoncé dans nos vidéos. Déjà, dès aujourd'hui, m'a-t-il dit, aujourd'hui, vendredi 29 décembre 2023, jusqu'au prochain jour, il sera régulièrement à la gare. Vous savez qu'une passagère est décédé, il me l'a confirmé. La CETRAG met tout en œuvre pour effectivement résoudre tous les problèmes et organiser l'enterrement de cette passagère. Donc, à partir d'aujourd'hui, le directeur général, comme les jours à venir, m'a-t-il dit, je pense selon aussi son programme, c'est-à-dire s'il a une réunion très importante, il ne pourra pas être là. Il sera avec certains de ses collaborateurs à la gare pour voir comment les choses se passent lorsque les passagers doivent voyager. Aujourd'hui, il y a un train qui va partir à 15 h. Il sera là. Je vais le vérifier. Je lui ai aussi posé la question sur l'heure exacte d'arrivée du train parce qu'on nous vend les billets avec l'heure de départ, mais pas l'heure d'arrivée. Toutes ces questions, nous allons les examiner très bientôt avec d'autres vidéos cash pour que notre sort vers la félicité soit véritablement cash. Merci et bonne journée.